Au regard de la propagation de cette épidémie, au-delà de l'épicentre, le gouvernement a décidé d'élever le niveau de surveillance, de suspendre jusqu'à nouvel ordre l'accès au territoire national à tout passager en provenance de Chine. S'agissant de la communauté gabonaise vivant en Chine, un contact quotidien a été institué avec notre ambassade en vue de suivre au jour le jour l'évolution de cette situation. Il apparaît que la communauté gabonaise compte 93 personnes recensées à ce jour dans la ville de Wuhan et ses environs. Composée essentiellement d'étudiants et de stagiaires, cette communauté a bénéficié du soutien du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, afin de parer toute éventualité, notamment celle du rapatriement de nos ressortissants sous le contrôle de l'OMS. À ce jour, aucun cas de contamination n'a été enregistré parmi nos compatriotes vivant en Chine. De fait, instruction a été donnée à notre mission diplomatique de suivre l'évolution de la situation.